to stand up, please. Et pour nous, 1 Pierre 1, 18 à 20. Read for us 1 Peter 1, 18 to 20. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. 1 Peter 1, from 18 to 20. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in this last time for your sake. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Relisons ce texte en français. Let us reread this passage in French. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ. By the precious blood of Christ. Je proclame. Say, I proclaim. J'ai été racheté. That I've been redeemed. Par le sang précieux de Christ. By the precious blood of Christ. Dis mon ennemi. C'est my enemy. Le vrai problème. The real problem. N'est pas de savoir si tu m'as acheté. It's not to know if you bought me. Mais ce que tu saches, but is that you should know, j'ai été racheté. But that I've been redeemed. Tu dois le savoir. You must know that. J'ai été racheté. I have been redeemed. J'ai été racheté. I have been redeemed. Par le sang précieux de Christ. By the precious blood of Christ. Reprends, sachant que. Take it again, knowing that. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Predestined before the foundation of the world. Et manifesté à la fin des temps. Et manifesté à la fin des temps. And manifested at the end of ages. À cause de vous. À cause de vous. Because of you. C'est-à-dire à cause de moi et de toi. That is because of me and you. Jésus. Jesus. Et s'est manifesté à la fin des temps. Has been manifested at the end of times. Il a versé son sang. He shed his blood. Son sang précieux. His precious blood. Pour nous racheter de toutes les idolâtries et les vaines manières de vivre. To redeem us from all the idolatries and the vain ways of living. Vaines manières de vivre. Vain way of living. Hérité de nos parents. That we inherited from our idolatries. La sorcellerie. Idolatry la divination, and witchcraft. Divination. La vaine manière de vivre. Vain way of living. Des sacrifices. Sacrifices. Des rites. Rites. Des crimes. Crimes. Une vaine manière de vivre. Vain way of living. La vaine manière de vivre. The vain way of living. Le péché. Sin. Le vol. Theft. Les envoûtements. Bewitchments. Vaine manière de vivre. Vain way of living. Voilà notre héritage. This is our inheritance. Quand ce que les parents nous ont laissé comme richesse. That which the parents
our parents left us as inheritance. C'est une vaine manière de vivre. It's a vain way of living. Des dieux qui ne sont rien. Gods that are nothing. Des coutumes qui ne peuvent pas sauver. Customs that cannot save. Et qu'il faut observer. But you have to observe. Des traditions. Traditions. Démoniaques. Demonic. Vous voyez? You see? Sa tante. Her aunt. Jette 50 francs par terre. And drops 50 francs on the ground. Pose ses pieds sur ses petits pieds. And she lays her legs on her little legs. Et l'enfant ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. The child does not even know what she was doing. Le résultat. The result. Une grande sorcière. A great sorcerer. Elle ne veut pas. She doesn't want. Mais elle est dedans. But she's in it. Vous voyez le voyage qu'elle effectue. You see the trip. Pour venir prier pour sa délivrance. That she went from a country up to here. Vaine manière de vivre. Pray for her deliverance. The vain way of living. C'est tout ce qu'on lui a laissé. This is what they left her. Les crânes. Skulls. Vaine manière de vivre. Vain way of living. Les masques. Masks. Vaine manière de vivre. Vain way of living. Les danses. Dances. Les combien qu'on sort. Combien and so on and so. Vaine manière de vivre. Vain way of living. Et le Seigneur nous a rachetés de cette vaine manière de vivre. And the Lord has redeemed us from that vain way of living. En versant son sang précieux. By shedding his precious blood. À la croix du Calvaire. On the cross of Calvary. Dis-toi ennemi. Say you enemy. Qui veut résister? Who wants to resist? Qui essaie de justifier? Who tries to justify? Il a acheté quelqu'un. That you have bought somebody. Tu te trompes. You are deceiving yourself. Jésus-Christ. Jesus Christ. S'est révélé. Has revealed himself. À la fin des temps. At the end of pour time. Nous. To us. En versant son sang précieux. By shedding his precious blood. Le sang de l'agneau immolé sans péché, sans tache. The blood of the slain lamb without stain and blemish. Avec la mort de Christ à la croix. Say with the death of Christ on the cross. Tous les contrats sont déchirés, brûlés. All the contrats are torn and burned. Il n'y a plus d'esclave. There's no slave. No slave. Jésus s'est donné lui-même. Jesus gave himself. Pour libérer les captifs. To release the captives. Il brise les chaînes. He breaks the chains. Il ouvre les tombes. He opens the tombs. Il renverse les hauteurs. He overthrow heights. Jésus-Christ. Jesus Christ. Avec sa mort à la croix. With his death on the cross. Tous les engagements verbaux sont annulés. All the verbal commitments are cancelled. Tous les engagements écrits sont annulés. All the written commitments are cancelled. L'ennemi. The enemy. Mon ennemi. My enemy. Au nom de ce Jésus en qui je crois. In the name of that Jesus. Tu vas partir de ma vie. You will go from my life. Tu ne touches plus à ce qui m'appartient. You no longer touch that which belongs to me. Tu ne te tiens pas sur mon chemin. You do not stand in my way. Tu pars. You go. Et tu ne voles rien en partant. And you're still laughing while going. Tu pars sans résistance. You go without resistance. Parce que Jésus a tout payé. Because Jesus has paid everything. Il a tout annulé. He has cancelled everything. Il a dit tout est accompli. He said all is accomplished. C'est vrai, tout est accompli. And it is true, all is accomplished. Jésus est vrai, tout est accompli. Jesus is true, all is accomplished. Jésus est la vie, la vérité, tout est accompli. Jesus is the truth, all is accomplished. Maintenant commence à commander que tous tes ennemis, tous ceux qui voulaient revendiquer quelque chose, de près comme de loin, se retirent de ta vie définitivement. Now start praying that all the demons that wanted to claim to demand something from far or near, command them to go from your life right now.
Dieu au nom de Jésus. C'est in the name of Jesus. Nous annulons tout ce qui a été fait. We cancel all that have been done. À travers l'argent donné. Through the money that has been given. Nous annulons tout ce qui a été fait. We cancel all that have been done. À travers l'argent reçu. Through the received money. Nous annulons tout ce qui a été fait. We cancel all that has been done. À travers l'argent trouvé sur les voies publiques. Through money found on the public ways. Nous annulons tout ce qui a été fait. We cancel all that has been done. Attention, si tu avais acheté un article. If you bought an article. Et le vendeur t'a donné plus d'argent. And the seller, the trader gave you more money. C'était un piège. It was a snare. Je viens de le recevoir. C'était exprès. He did it on purpose. I've just received it. Son maître lui a dit, fais comme ça. His master told him, do like that. Si la personne est juste, if the person is just, il remet, il est sauvé. He gives it back. Et si tu es malin comme les bons mondains, but if you are cunning like a worldly man, you took it. Tu as déjà été envoûté. You have been bewitched. Et ses affaires prospèrent. And his business. Dis nous annulons. Flourish. Say we cancel. Tout ce qui a été fait. All that has been done. À travers l'argent reçu d'un vendeur. Through the money received from a seller. Le surplus. The extra money. Que tu croyais être une erreur de sa part. That you thought it was a mistake. Et c'était un piège. And that it is a snare. Say in the name of ce Jesus. Piège est cassé. That snare is broken. Le lien brisé. The tie is broken. Continue à briser. Keep tout ce que l'Esprit te dit. Keep praying. Dieu au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous bannissons. We ban. Ce qui a été fait à travers des poignées de main. All that have been done by handshakes. Nous bannissons. Ban. Ce qui a été fait à partir des accolades. That which has been done by nous hacking. Bannissons. Ban. Ce qui a été fait à travers les embrassades. That which has been done continue by embracing. Continue à détruire. Keep destroying. Vous avez besoin de vous.
Dieu au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Vous voyez, la sœur dit qu'on lui a montré un animal. Dit même si ça a été fait avec les sacrifices. Say even if it has been done with sacrifices. Même si ça a été fait avec des sacrifices. If it has been done with sacrifices. Des sacrifices d'animaux. Sacrifices of animals. Déclarons. We proclaim que c'est nul. That it is nul. Le sang de Christ a tout effacé. The blood of Jesus has le sang de Christ, all. Le sang de Christ, le sang de Christ. The blood of Jesus. Continue blood à prier. Continue to pray. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis s'il y a quelqu'un ici. Say if there's somebody here. Quelqu'un dans la vie de qui se trouve un mari de nuit. Somebody in the life of whom there is a spirit husband or a spirit wife. Une femme ou un frère. Dans la vie de qui se trouve un esprit, un mari de nuit. A sister in whom there is a spirit of spirit husband. À qui les parents ont donné les filles. To whom the parents gave women. Dans la sorcellerie. In witchcraft. Ou dans les lois de la tradition. According to the law of tradition. Ou dans les lois des coutumes. According to the law of customs. On a pris toutes les filles. They took all the women, on a donné. The daughters, they gave him. Et ça lui sert de base pour résister. And this is a basis for nous them déclarons to declare que Christ est mort pour tous les hommes. That Christ died for all. Et Christ a détruit tous les parts. Jesus has destroyed all the parts. Christ a détruit tous les parts. He has destroyed all the parts. Nous arrachons toutes ces femmes. So we snatch all these women. Nous arrachons toutes ces femmes. Nous arrachons tous ces hommes. We snatch all these men. Nous arrachons tous ces hommes. We snatch all these men. Des mains des oppresseurs. From the hands of the oppressors. Et nous mettons fin à tous les mariages démoniaques. And we put an end to every demonic marriage. Continue à prier maintenant. Continue à prier. Keep praying. Dis mari de nuit, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Spirit husband, be gone, be gone. Tu n'as plus le droit de résister, va-t'en. You no longer have the right to resist, be gone. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Be gone, be gone, be gone. Christ a été immolé. Christ has been slain. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Christ a été immolé. Christ has been slain. Christ a versé le sang. Christ shed the blood. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Continue à frapper. Keep striking. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous jugeons tous les esprits derrière le vaudou. We judge all the spirits behind the vaudou. Tous les esprits derrière les vaudous. All the spirits behind vaudou. Nous brisons les chaînes. We break the chains. Nous vous chassons. We cast you out. Partez, partez, partez. Be gone, be gone, be gone. Nous libérons les captifs. We release the captives. Nous libérons les captifs. We release the captives. Nous libérons les captifs. We release the captives. Nous incendions vos autels. We set fire on your altars. Et vos sanctuaires. And your sanctuaries. Nous brisons tous les ossements des morts. We break all the bones of nous the les brûlons dead. Dans le feu de Christ. We burn them in the fire of Christ. Continue à prier. Keep praying. Ora baka jor baka gobe jor baka ora baka jor baka gobe jor baka ora baka jor baka gobe jor baka
Va-t'en, 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 va-t'en. Tous les esprits derrière le vaudou, partez, 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 partez. Dieu au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Écoutez. Listen. Tu identifies les dieux de ta tribu ou de ton pays. You identify the gods of your tribes and your country. Les dieux. The gods. Qui dominent sur ta famille. That rule over your families. Chacun. On prie un seul sujet, mais chacun dit le nom de son pays. We pray only one topic, but de each son one, village ou de sa famille. Each one mention the name of his village and the gods of that village. Alleluia. Praise the Lord. Tu chasses ce dieu de ta famille. You cast out that god from your family. Tu libères les captifs. And you release the captives. Tu intronises Jésus. And you set Jesus on the throne. Si tu ne connais pas, tu dis tous ceux qui sont derrière les eaux. If you don't know, you say all those who are behind the waters. Tous ceux qui sont derrière la mort. Or all those who are behind the death. Prions. Let us pray. Que tous les esprits des eaux, tous les esprits des eaux, de la Sanaga, tous les esprits des eaux, tous les esprits des eaux, de toute la région du centre et du sud, je les chasse. Je proclame que Jésus-Christ est le roi des rois. J'ai été rebalta ramassé kabaka, j'ai rebassé karamassé kabaka, ou ramaké se karamakasaka. Urabaka sakarabaka, urabaka sakabaka, urabaka sakarabaka sakabaka, urabaka sakarabaka sakaba, urabaka sakabaka saka, urabaka sakabaka, urabaka sakabaka. Urabaka sakabaka. Urabaka sakabaka. Urabaka sakabaka. Urabaka sakabaka. Dis d'un commun accord. Say in one accord. D'un commun accord. In one accord. Nous fortifions les bras de tous ceux qui sont affaiblis. We strengthen the hands of all those who are weak. Et nous intervenons partout où se trouve une résistance. And we intervene wherever there is a resistance. Toute forme de résistance. Any form of resistance. Nous frappons. We strike. Dans les lieux célestes. In heaven. Nous frappons. We strike. Sur la terre. On earth. Nous frappons. We strike. Sous la terre. Beneath the nous earth. Frappons. We strike. Dans les abîmes. In the nous frappons dans le séjour des morts. Nous frappons dans les rochers. Nous frappons sous les rochers. Nous frappons dans les montagnes. Nous frappons sous les montagnes. Nous frappons sur les arbres. Nous frappons. Nous frappons. Nous frappons. Nous frappons. Nous chassons. Partez. Au nom de Jésus. Partez. Partez. Au nom de Jésus-Christ. Continuez à frapper. Keep praying. Continue à
Asseyez-vous. Be seated, please. Toutes les alliances brisées, rompues. All the covenants broken, destroyed. Tous les liens établis, brisés. All the bonds that have been established, broken. Même si on a mis la salive dans ta bouche, brisée. Even if they have put saliva in your mouth, break it. Même si on l'a fait quand tu étais bébé, brisé. Even if they did it when you were a baby, broken. Toute pratique sur ta personne. Every practice on your person. Quand tu étais bébé. When you were a baby. Brisons cela. Break it. Dieu nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Nous désenvoûtons. We unbewitch. Toute personne qui a été envoûtée. Every person that has been bewitched. À travers un objet implanté sous son pied. Through an object that has been put under his feet. Nous arrachons cet objet. We snatch that object. Nous déclarons ta liberté. And we declare that you are free. Nous arrachons cet objet. We snatch that object. Nous arrachons cet objet. We snatch that object. Si c'est dans une partie du corps. If it is in a part of the body. Le pied. Other than nous l'arrachons. The leg. We snatch. Nous déclarons ta liberté. And we declare that you are free. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Si tu avais plusieurs maris de nuit. If you had several spirit husbands. Quand est parti, tu croyais que c'est fini. One has gone and he thought it was finished. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous frappons les autres. We strike the others. Nous les dispersons. We scatter them. Nous les chassons. We cast them out. Partez. Be gone. Partez, partez, partez. Be gone, be gone.
Gardez le calme. Remain calm. Gardez le calme. Remain calm. Au nom de Jésus-Christ. Gone in the name of Jesus. Come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Écoute le Seigneur. Listen to the Lord. Il te parle, tu crois. If he speaks to you, you believe. Il donne une instruction, tu obéis. If he gives you an instruction, you obey. Dans ton esprit, tu continues à méditer sur le fait que tu es libre. In your libre, mind, libre. Your spirit, you keep meditating par on the fact that sacrifice de Christ, tu es you libre. Are free through the sacrifice of Christ. Le combat est en train d'être mené. And the battle is on. Prions en langue. Let us pray in tongues. Borobakasara.
Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous insistons. Say we insist. Il n'y a aucun mari de nuit. There should not be any spirit of husband that should that can resist. Frappé. You are stricken. Frappé sincèrement les derniers maris de nuit. Strike sincerely. Tu es frappé. You are struck. Tu es frappé. You are struck. Va-t'en vite. Be gone. Va-t'en vite. Be gone. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si tu es un mari de nuit, if you are a spirit husband, faut insister parce que c'est les rebelles, les derniers sont des rebelles. You must insist because they are rebellious. Frappons tout mari de nuit dans la vie d'un enfant. Let us strike every spirit husband in the life of a child. Vous avez écouté les témoignages. We listen to the testimonies. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Frappons et nous chassons. We strike and we cast out tout mari de nuit. Every spirit husband dans la vie d'un enfant. In the life of a child. Va-t'en. Be gone. 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 Sors et va-t'en. Get out and go. Gardons le calme. Remain calm. Si un mari de nuit est parti avec quelque chose. Say if a spirit husband has gone with something. S'il y a un mari de nuit. If there is a spirit husband. Qui en partant. Which while going. Est parti avec quelque chose. Went with something. Nous te l'arrachons au nom de Jésus-Christ. Snatch it from you in the name of Jesus. Nous te l'arrachons au nom de Jésus-Christ. Snatch it from you in the name of Jesus. Nous te l'arrachons au nom de Jésus-Christ. Snatch it in the name of Jesus. Gardez le calme. Remain calm.
Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je refuse toute forme de sorcellerie. I refuse any form of witchcraft. Je refuse toute forme de sorcellerie. I refuse every form of witchcraft. Je déclare. I declare que j'aime Jésus-Christ. That I love Jesus Christ. Je m'attache à Christ. I attach myself to Christ. J'efface mon nom de tous les livres de la sorcellerie. I blot out my name from all the books of witchcraft. I blot out my name tous les annales des sorciers, from all the record books tous of the les livres des sorciers, from the books of the sorcerers. J'efface mon nom. I blot out my name. Je refuse l'héritage de la sorcellerie. See, I refuse the inheritance of witchcraft. Toute forme d'héritage. Every form of inheritance. Je refuse toutes les maladies héréditaires. I refuse every hereditary disease. Toute maladie. Every sickness. Qui est parti du père, du grand-père au fils. Which went from the grandfather to the son. Et de son fils à moi. And from the son to me. Je me sépare. I separate myself. De tout mauvais héritage. From every bad inheritance. Continue à te séparer de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Keep separating yourself from that. All that is not from God. Now. Toi, l'esprit de mort. You, spirit of death. Tu habites dans l'être humain. That dwell in a human being. À cause des liens de parenté. Because of the bond of. Ou des liens de pratique occulte. Because or from the ties of occult practices. N'est pas parenté à la personne. You are not from the lineage of the person. Tu as profité des pratiques occultes pour entrer. And you took advantage of occult practices to enter. Tu es jugé. You are judged. Tu dois quitter, partir. You must get out and go. Sors et va-t'en. Get out and go. Tout esprit de mort. Every spirit of death. Qui possède un être humain. That possesses a human being. Vit dans sa vie. Va, 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 va. Go, go, go. Va-t'en, 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 va-t'en. Be gone, be gone, be gone. Sors et va-t'en. Get out and go. Garde le calme. Remain calm. Va-t'en vite. Be gone quickly. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Tu ne dois pas habiter un être humain. You must not dwell in a human being. Mort, c'est fini. You are dead. It's finished.
Tu n'auras plus de vie dans ce monde. You no longer have life in this world. Et nous ne te permettons pas d'habiter un corps à travers lequel tu vas vivre dans ce monde. And we don't allow you to live in a body with which we live in this world. Va-t'en. Be gone. Esprit de mort, va-t'en. Spirit of death, be gone. Esprit de mort, va-t'en. Spirit of death, be gone. Esprit de mort, va-t'en. Spirit of death, be gone. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Gardez le calme. Remain calm. If you are a woman, tu t'es donné à un homme, and you gave yourself to a man, et vous avez eu des rapports sexuels, and you have sexual intercourse, il est mort, and he died. Il vient te demander de venir. Il vient te demander de venir, de le suivre. And he comes to ask you to follow him. Tu es libéré. You are released. Et toi, démon. And you va-t'en. Be gone. Les prisons. We break the prisons. Nous cassons tout lieu. We break every place. On a renfermé une âme. Where a soul has been locked. Nous libérons ceux qui sont toujours au village. We release those who are nous libérons ceux dont les esprits sont dans les forêts. We release those whose spirits are in the forest. Nous libérons ceux dont les esprits sont dans les voitures. We release those whose spirits are in the customs. Les voitures qui les entraînent dans une direction inconnue. That lead them in an unknown direction. Nous démolissons les forteresses. So we demolish strongholds. Nous renversons les tours. We pull down towers. Thank you.
Regardons le calme. Remain calm. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Dix témoignages avant de prier pour les malades. 10 testimonies before we pray for the sick. Je suis à Sœur Kouadiane, disciple du pasteur Meunier. Quand on a commencé le combat par les maris de nuit qui prennent à eux seuls toutes les femmes d'une famille, le pasteur a demandé qu'on détruise tous les contrats qui leur permettent de prendre toutes ces femmes. J'ai vu tous les contrats voler en éclats. Les contrats étaient déchirés, brûlés. Et puis nous avons continué les combats en détruisant leurs autels, en détruisant leurs trônes. Je voyais des trônes qui volaient en éclats, qui étaient saccagés. Puis les captifs étaient libérés. Plusieurs captifs qui étaient, toute personne qui était victime vraiment de ces maris étaient libérés au fur et à mesure. Et ensuite, nous avons continué toujours avec les maris de nuit. On a demandé qu'ils partent et qu'ils laissent tout ce qu'ils nous ont pris. Qu'ils partent sans rien emporter. Qu'ils partent. Et puis, on a continué. Et j'ai vu des gens, certainement des maris de nuit, il y a un qui avait une valise. Mais il avait été tellement frappé, il a dit, tenez et laissez-moi partir. Tenez, donc il a jeté la valise et puis il s'en est allé. Alléluia. Et puis ensuite, on a continué avec les esprits de mort que nous avons frappés. Et je voyais au fur et à mesure qu'on les frappait, il y avait une armée céleste qui rentrait dans les rangées pour les sortir. Au fur et à mesure, ils les sortaient, ces esprits de mort, on les sortait. Et on leur commandait de partir, de rentrer dans les tombes, parce que c'est là leur demeure. C'est pas dans la vie des personnes. Alléluia. Et puis ensuite, on a démoli les prisons. Ceux qui sont encore enfermés dans les prisons, le pasteur a demandé qu'on détruise les prisons. Mais toutes les prisons s'écroulaient au fur et à mesure que le pasteur donnait l'ordre. Et les captifs étaient libérés au fur et à mesure. Les forêts étaient incendiées. Et tous ceux qui étaient détenus dans ces forêts, enchaînés, étaient libérés au fur et à mesure. Il y a eu beaucoup de choses. Le Seigneur vraiment a beaucoup travaillé, parce que l'armée céleste est là et nous conduit dans les combats. Je voudrais m'arrêter là. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle la sœur Onvo Massier et mon fils de disciple, c'est la sœur Konglo Raissa. Je voulais bénir le nom du Seigneur. Car quand le pasteur Meunier a commencé le premier sujet, où le pasteur Meunier a dit, je me rappelle très bien, où il a dit, si toutes les personnes qui ont été envoûtées par des personnes où se sont payées des achats, où ces derniers-là ont donné plus d'argent, je voyais des personnes, la fumée a commencé à sortir de leur tête, la fumée a commencé à sortir de leurs oreilles, ils ont commencé à être désenvoûtés. Et quand le pasteur Meunier a commencé à prêcher sur les maris de nuit, j'ai même vu des maris de nuit à deux sexes. Ils ont commencé à fuir, ils ont commencé à sortir. Et même la messe céleste a commencé à les chicoter, à les frapper. Et quand le pasteur Meunier a dit que nous prions pour les vaudous, nous prions pour toutes les personnes qui ont été mariées de force, j'ai même vu des vaudous sortir,
des hommes à moitié cheval, des hommes à moitié serpent. Ils ont commencé à sortir, ils ont commencé à fuir, à prendre la fuite. Et j'ai même vu l'armée céleste a commencé à les chicoter. Ils ont commencé à prendre la fuite. Et quand le pasteur Mendy a dit que nous allons détruire les hôtels de vaudou, le pasteur a dit que chacun dit son nom de famille, que chacun prononce les fétiches. J'ai même vu les gens commencer à prononcer, à commencer à dire les noms de famille. Et même l'armée céleste est descendue dans les villages. Et l'armée céleste a commencé à détruire, à casser, à foudroyer, à brûler les forêts sacrées, les masses, les vaudous. Tout cela a pris feu. Et quand le pasteur Mendy a donné le sujet des personnes qui ont eu des rapports sexuels avec une personne qui est morte, j'ai même vu les cimetières ont été foudroyés. Et même j'ai même vu des sœurs, des frères sortir de là. Vraiment, je voulais bénir le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Conan Fri Adèle. Je voulais rendre grâce à Dieu qui vient de me délivrer d'un envoûtement que je ne savais pas que c'était un envoûtement. Gloire à Dieu. Il faut dire que quand j'étais petite, j'avais été violée par mon grand frère qui est décédé. Et depuis lors, je sens les picotements dans mon ventre. C'est comme si ce sont les pointes qu'on prend pour piquer. En tout cas, je sentais les douleurs. Et ce soir, quand on priait, quand papa a dit qu'on a prié, que si on a eu les rapports sexuels et la personne est décédée, et quand j'ai commencé à prier, j'ai vu en vision mon grand frère qui est venu tirer une corde rouge. Il a tiré à partir de mon sexe. Il tirait. Frère, j'ouvre mes yeux pour regarder si c'est réel. Je vois personne, je ferme mes yeux, je vois encore, il tire, la file est rouge, il tire, et à la fin, qu'est-ce qui sort? Une pointe, bien pointue, gloire à Dieu, qui est sortie de ma partie intime. Et le Seigneur me disait qu'il venait de me délivrer de l'envoûtement. Je voulais rendre grâce à Dieu, et les picotements ont disparu. Je veux rendre grâce à Dieu. Jesus. Qui veut me délivrer de ton béni. Amen. Jesus. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Désenvoûté et guéri. And bewitched and healed. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Gossiri Grâce, disciple de Maman Dago Elodie. Je vais dire merci à Dieu, lui qui m'a délivré de l'esprit de mort. Il faut dire que lorsque papa disait qu'on n'a qu'à prier pour l'esprit de mort, frère, je rotais et je pensais que j'allais vomir, mais c'est de la salive qui sortait. Donc je veux bénir le nom du Seigneur, lui qui m'a délivré de l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Et je suis la sœur Kwaku Aou Noël. J'ai pour faiseur de disciple le pasteur Meunier et je suis missionnaire de la littérature basée à Daouko. Je veux dire merci à Dieu. Lorsque le pasteur Meunier disait que si il y a des esprits de mort qui sont dans la vie d'une personne à cause d'un culte occulte, et j'étais quelque part croyant que j'étais sauvée, là où j'étais avant de venir dans notre ministère. Et je vois dans mon image, quand j'étais là-bas, j'avais gardé des corps. C'est-à-dire là-bas, quand quelqu'un mourait, on place le corps et puis vous faites deux personnes à la tête, deux personnes aux pieds. Et un coup, c'est venu dans ma tête. Donc, j'ai prié pour me séparer de ça. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré de ces esprits de mort. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Bidi et frère Meslin.
Et mon fils dit, c'est la sœur Jelou Maline. Petit infiniment merci au Seigneur qui m'a délivré d'un envoûtement ce soir. Pendant qu'on priait contre l'agent envoûté, le Seigneur a envoyé mon esprit à Daloa, où j'étais en 2015-2016. Et lorsque j'étais là-bas, j'étais chez une tutrice. Et on partait faire son marché vers 5h40, 6h par là. Et arrivé à un carrefour, il y a une dame qui vend ignon braisé, banane braisée. Elles ont une manière de faire, puis il y a des prix qu'on bat. Donc à chaque fois qu'on passait là-bas, il y avait toujours de l'argent. J'étais avec ma soeur, on prenait toujours de l'argent, 100 francs, c'est quand c'était beau comme ça. On prenait pour aller manger. Chaque jour qu'on passait, il y avait de l'argent. Donc pendant qu'on priait, le Seigneur m'a ramené sur les lieux. Et lorsque j'étais arrivée où la dame la vendait, il y a une grosse dame qui est sortie de la terre. Elle avait attaché un tissu blanc avec un petit garçon. Et elle m'a dit que cet argent était destiné aux esprits qui se promenaient la nuit. Et puis moi je venais prendre. Donc elle m'a dit de tendre mes mains. Donc quand j'ai tendu mes mains, j'ai vu des pattes. J'ai vu des pattes d'un animal avec des griffes qui étaient sur mes mains. Et puis sur ces pattes, il y avait une grosse caisse. Ça veut dire qu'en réalité, même l'argent ne dit pas dans ma main. Même si j'économise, étant dans le monde, j'ai fait une tournée de 500 000 pour aller à l'école. Arrivé à mon tour, l'argent, il y a eu trop de problèmes dessus. Ils ont bouffé mon argent, c'est resté comme ça. Donc c'était mon quotidien. L'argent ne dit pas dans ma main, je n'arrive pas à économiser. Donc quand j'ai vu la caisse, j'ai jugé la caisse et j'ai ordonné que la caisse s'ouvre. Et quand la caisse s'est ouverte, j'ai vu assez d'argent dans la caisse. Et la femme a renversé, elle a enlevé d'abord les pattes qui étaient sur mes mains, et elle a renversé l'argent dans ma main. Et j'ai pris. Je veux dire infiniment merci au Seigneur qui vient de me désenvoûter ce soir. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Je me nomme la sœur Bérénice. Mon faiseur, c'est le pasteur Abdi. Vraiment, ce soir, le Seigneur a travaillé. Pendant que nous étions en train de prier pour l'esprit de mort, pour chasser les esprits de mort, le Seigneur envoyait comme les bombes. Les bombes, même, ça rentrait. Et il y a un mari de nuit qui attrapait son habit. Et pendant qu'il se débriait, il y a une qui l'a pris et ça l'a enfoncé dans la terre. En tout cas, le Seigneur a travaillé. Et quand j'ai fini ça, la vision est passée, j'ai vu une autre vision. Quand j'étais petite, j'étais attachée à une tante. Vraiment, elle était métisse, elle me plaisait beaucoup. Et vraiment, elle était très attachée, elle m'aimait beaucoup. Quand elle est décédée à 30 ans, vraiment, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Et pendant que j'ai fini de pleurer, oh, pourtant, cette femme m'avait suivie. Et c'est ici, c'est avant-hier même, j'ai vu, et le Seigneur a continué le combat aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu que j'étais dans une prison avec elle. Parce que nous avons une cour à Yopougon. Et là, quand je pleurais, le Seigneur me montrait qu'ils étaient en train de m'enchaîner dans cette cour-là. Ils m'ont enchaîné et ils m'ont mis dans une prison avec l'esprit de mort de cette tante-là. Et c'est comme ça, le Seigneur est venu, il a cassé. Il a cassé cette prison et puis il m'a fait sortir. Et vraiment, j'ai vu que comme si une autre vision, elle était dans le noir. Elle prenait mes biens et puis elle partait. Et vraiment, la lumière qui était à côté de moi, et le Seigneur qui était à côté de moi, il a touché comme de la manière la caméra me voit. Il a mis la lumière sur elle et elle n'a pas pu partir avec les biens. Donc, elle est venue vers moi et elle m'a donné. Quand elle m'a donné, Jesus. Je vois, c'est comme de l'or. L'or est gros comme ça. De l'or. Et puis, elle a ouvert. Je vois un enfant, un bébé dedans. Et avec beaucoup de bien, vraiment, je dis merci au Seigneur qui m'a délivré, qui a délivré son peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je suis la sœur Ndiesamene Edith. Je vous faisais les disciples, le frère Obuno Roméo. Il faut dire que le Seigneur m'a délivré de la colère. Avant la prière, quand nous avons fini d'enregistrer les nouveaux invités, les nouvelles âmes, et quand papa a commencé à prier, j'ai ressenti une forte douleur au niveau de ma poitrine. La douleur était intense. J'ai commencé à dire au Seigneur de me guérir, de me guérir, de me guérir.
Et nous avons continué dans la prière. Il faut dire que quand nous avons fini la prière, la douleur a disparu complètement. Donc je veux rendre grâce au Seigneur pour cette délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Gbazare Jeanne Dac, épouse Comina. Vraiment, le Seigneur, il vient de délivrer ma famille de notre nom. Parce que nous, notre nom, c'est le nom Gbazare. Donc, ce nom-là, la signification est très lourde. C'est un nom vraiment qui n'est pas bon. Un nom où il y a palabre, la colère, les discussions. Il y a beaucoup de choses. C'est un nom qui n'est pas bon. Donc, quand le pasteur Méné a dit de combattre la sorcellerie de la famille, c'est comme ça que j'ai pris. Le Saint-Esprit m'a orienté sur le nom. Puis j'ai pris le nom. Puis j'ai commencé à lier tout ce qui était, tout ce qui accompagnait, les démons qui accompagnaient ce nom. Donc, quand j'ai fini de lier, j'ai vu le nom plongé dans le sang de Jésus sur une feuille blanche. Donc, j'ai compris que le Seigneur venait de délivrer ma famille, de délivrer ce nom-là, de tout esprit qui accompagnait ce nom. Maintenant, dans ma deuxième vision, quand le pasteur a dit de prier contre les personnes qui sont mortes, qui ont possédé des personnes, vraiment, le Saint-Esprit m'a orienté dans la vision où ma maman est décédée, mais qui a possédé mon papa. Donc, vraiment, même elle a possédé la cour familiale. Donc, le vieux n'arrive pas à se marier, il ne se retrouve pas. C'est difficile pour lui. Donc, dans la prière, quand j'ai commencé à combattre, j'ai vu dans la vision la vieille qui a fait son bagage, qui a chargé son bagage, qui a dit, bon, comme vous me chassez de la cour, moi, je m'en vais. Et j'ai vu la vieille prendre la voix et elle est sortie de la cour. Jésus. Donc, vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur parce qu'il vient de délivrer encore ma maison et ma famille. Parce que depuis que je suis venue à Tiekwa, vraiment, les témoignages sont nombreux, mais je m'arrête là. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Claudine Yapoufezeur, Gazwa Deborah. Mon témoignage, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est une vision. Je ne sais pas si vous voulez partager. Est-ce que ça a des rapports avec ce qu'on a fait ce soir? Non. Is it related to that which you have done this evening? Nous voulons des témoignages de ce qu'on vient de faire. We want testimonies about what we have just done. Gloire à Dieu. Dieu va écouter. Je suis la sœur Yeboa Ama Atawa et mon faisait de disciple, c'est missionnaire numéro 2, Anissan Rachel d'Aboville. Je vais être infiniment reconnaissante au Seigneur. Il faut dire que je suis issue d'une famille idolâtre et mes parents adorent, ils adorent un peu de tout. En tout cas, tout. Ils adorent l'eau, ils ont adoré les fétiches. Et quand moi je suis née jumelle. Atawa, ça veut dire jumelle. Et mon jumeau opposé n'est pas resté, il est décédé. Et il faut dire que je n'ai pas vite marché. J'ai fait ce que j'ai appris. On dit que j'avais fait 3 années à terre sans marcher. Et ce n'est pas comme si j'étais paralysée. Mais le roi Kofi Eboa a dit que je suis sa femme. Et il faut dire que mes parents sont allés m'habiller le G1 jeudi en tout blanc. Et c'est cet esprit-là qui me fatigue. Frère, il faut dire que je suis mariée, je suis mère de 7 enfants. Et mon mari, en tout cas, c'est pas facile. Harry, la colère, mon cœur, là, quand ça s'élève comme ça, en tout cas, on ne sait pas qui est l'homme. On ne sait pas qui est l'homme. Harry, je suis la femme, mais on dirait que je suis devenue l'homme. Et vraiment, ça, c'est la bagarre. C'est pas facile. Ils ont dit que. Hier, il a dit que je l'ai marié. À la délivrance, ils ont demandé : tu l'as marié comment ? Il dit : il a payé la dot. Il a payé viande. Il a donné viande à mes parents. Il a donné nyam à mes parents. Parce que c'est ça que j'ai demandé. On a dit que quand, à l'ancien temps, quand on te dote,
Quand on fait la dot chez les Abons, c'est une viande de mouton, de bœuf. Ils te donnent à tes parents ou bien de l'igname. Et vraiment, comment on appelle ça? On m'a séparé, l'équipe de délivrance a prié pour moi. Et l'esprit dit, je m'en vais. Mais en réalité, il y a eu résistance. Et il faut dire que au village, ils ont fait une statue. Ils ont fait une statue. Et la statue, là, tout à l'heure, quand on ne peut pas parler, il a dit, s'il y a des résistances, il faut que ces résistances soient brisées. Et j'ai vu la statuette se fendre. C'est fendu et il est renversé. Et il a dit que je m'en vais. Je voulais te faire ma reine, mais comme tu es pas, donc je m'en vais. Je vais être infiniment reconnaissante au Seigneur Jésus-Christ. De ce que le Seigneur m'a délivré de cet esprit méchant au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. L'an passé, quand on priait, il y a eu une vision. Dans la vision, c'est comme il y a eu 4 protocoles qui étaient venus. Eux deux étaient à l'entrée de du site. Eux deux sont rentrés ici. Ils ont mis une barrière. Maintenant, ceux qui étaient rentrés, ils disaient qu'il y a beaucoup de... La porte est ouverte, était ouverte à tous. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées. Donc, les deux qui sont rentrés ont commencé à faire sortir les faux personnes au milieu du site. Et les deux autres étaient là-bas. Toi qui venais, qui devais rentrer, on vérifiait si tu étais... bonne personne avant d'entrer. Maintenant, ceux-là, ils étaient sortis sur le site, tous ceux qui étaient faux, même ceux qui murmuraient, on les faisait sortir, ceux qui critiquaient, qui n'avaient pas le pardon, on les faisait sortir. Maintenant, il m'a dit d'aller là-bas, aller dire ceux qui sont dans la maison, de balayer leur maison. Que ici, c'est un coin où on vient, non, la maison doit être balayée. Donc, je suis partie dans les maisons, dire qu'ils n'ont qu'à balayer les maisons. Pendant qu'ils balayaient, ils ont balayé beaucoup de sachets noirs et qui, après cela, ils ont brûlé. Ils ont brûlé. Le site est devenu propre. Eux, ils disaient que ici, nous venons ici, nous devons. Après, quand ils ont fini de balayer et brûler, il me dit, dis-leur de quand on vient ici, ils doivent balayer leur maison. Qu'ils balayent la maison, ils doivent avoir beaucoup de pardon et beaucoup d'amour. Que ici est un lieu de pardon et amour. Amen. Ces témoignages nous font comprendre que quand on donne un sujet, il faut prier. These testimonies make us understand that when a prayer topic is given, you must pray. Dieu sait qui il est en train de délivrer. God knows who he is delivering. Même s'il n'y a pas de manifestation. Even if there's no manifestation. Que la sœur là revienne dire son témoignage. Let the sister come back and say her testimony. Est-ce que tu es tombé? Oui, je suis tombée. Aujourd'hui? Hier. Yeah. Non, je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu ça. Ce que j'ai vu, c'est de la vision. Tu réponds d'abord à mes questions. Est-ce que tu es tombée aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Did you fall today? What happened? Ce qui s'est passé, parce que hier, quand on a prié, je suis partie à la maison, je sentais des résistances. J'ai dit au Seigneur, il faut que je sois délivrée de cet esprit. Et quand on a prié aujourd'hui, c'est comme si je voyais ça en vision. It was as if I saw it in a vision. Il y a une statue au village. There is a statue. Dit que c'est ça qu'ils l'ont dessiné, ça qui le représente. Et la foudre a fendu la statuette en deux. Ça a coupé la tête et il est tombé. And the image of the image of the statue is represent me and the thunder came to divide it into two. Il a dit que je voulais faire de toi ma reine. He said, dit, I want you to make of you my queen. But I'm going. Je m'en vais. Là où tu es là, c'est bon, je m'en vais. Now, where you are, it's okay, it's good, I'm going. Et il faut dire que mon mari a vu ça en songe. My husband saw it in a dream. À chaque fois, il voyait ces choses en songe. Every time he saw this il dit, Odette, tu as deux vies. Toi, tu es marié. Amen. Donc, on veut ce qui s'est passé. Et vraiment, j'ai été... Il a dit qu'il s'en va. Il a dit qu'il s'en va. Et puis dans l'avion, je lui ai dit que qui me t'a. Il dit c'est ton papa qui m'a vendu. In the vision, I said, who gave me to you? He said, it's your father. C'est mon papa qui t'a vendu. You. Donc c'est à lui qui a payé la dot. Il dit oui. And he said, you paid the dot with him. He said yes. C'est comme ça que j'ai été délivré. This is how I've been il delivered. A dit qu'il s'en va. Et il voulait faire de moi sa reine. Et je veux pas.
He wants it to make of me his queen, but I don't want, so he's going. Amen. Amen. Quand on prie contre les maris de nuit, when we pray against the spirit husbands, il faut être très concentré. Be very focused. Qu'est-ce que, quand tu pries, when you pray, si tu es attentif, if you are attentive, le Saint-Esprit peut te dire ce qui se passe. The Holy Spirit can tell you what's going on. Avant, je disais que les maris de nuit n'ont pas payé les dots et tout ça. Ils prennent des femmes. Les maris de nuit ont payé les dots. In the past, I used to say the spirit husband didn't pay the dowry and then they come to take the women. They paid the dowry. J'ai voulu appliquer sur les maris, sur les, certains avortements, le passage d'Ésaïe 52. I wanted to apply on which, on some bewitchment, the passage of Isaiah 52, one to, from 1 to 2. Dès qu'on a prié, as soon as we prayed, la tante de la sœur est venue lui montrer 50 francs. The aunt of the sister came to show the 50 francs. Dis que quoi? Que vous avez été acheté sans argent? That you have been sold without money? Ça c'est quoi? What is this? 50 francs. 50 francs. Sans parler, il lui a seulement montré. Without speaking, she just showed her. Elle est partie. And she went. Il lui a montré un animal. And he showed an animal. Ce soir. This evening. La sœur est tombée hier. The sister fell down yesterday. On a chassé. We cast out. Tu peux croire qu'on ne l'a pas délivré. You may think that she has not been delivered. Le problème c'est qu'il est revenu à cause de la dot. The problem is that quand il a vu la pression sur lui, sort, il est parti. He came back because of the quelque part là. Because of the bright price. When he saw the pressure on him, God, get out, he went and wait somewhere. Comme on a attaqué à la racine ce soir, qu'il y a des gens. Ils ont payé la dot, mais d'une façon dissimulée. As we attacked at the root this evening, that there are people who pay the dowry, but in a secret, in a hidden way. On t'a fait faire quelque chose. They made you do banal. Something that is trivial. Et puis tu te retrouves dans les liens. And you find yourself in the bonds. Lis pour nous Isaïe 52 verset à partir du verset 1. Read for us Isaiah 52 from verse 1. Je prie que vous ne ratiez pas l'école qui est derrière les combats. I pray for you that you should not miss the school that is the teaching that is behind the battles. Après 40 jours, tu dois sortir avec une encyclopédie. After 40 days, you must get out. You must get out from here with an encyclopedia. Il peut t'aider à demeurer et à aider d'autres personnes. That can help you abide, remain, and help other people. Lis, écoutons. Ésaïe 52, à partir du verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis, écoutez, listen. Mon peuple descendit en Égypte pour séjourner. Mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. My people went into Egypt in order to stay there. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. And the Assyrian oppressed him without any reason. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Écoutez. Dis l'Éternel. Tu as fait un petit tour quelque part. You made a little turn somewhere. Pam.
Bam! L'ennemi fait de toi son esclave. The enemy make of you his slave. Tu voulais te cacher. You want to hide yourself. Dans la recherche de la protection. Seeking protection. C'est là que l'ennemi t'a rencontré. This is where the enemy encountered you. Il a fait de toi son esclave. And made of you your his slave. Tu te retrouves esclave pour rien. You find yourself a slave for nothing. Tu es descendu pour chercher peut-être la nourriture. You went down just maybe to seek food. La protection. Protection. Le secours. Help. Et l'ennemi t'a vu. And the enemy saw you. Il t'a saisi. And he laid hold of you. Tu es devenu son esclave. You became his slave. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu peux être envoûté par une vendeuse de manioc ou d'igname ou de je ne sais quoi de placali. You can be bewitched by a seller of yam or cassava. Il va. You go. Il sacrifie. He sacrifices. Il dit je veux que tous mes clients viennent, soient fidèles. He said that I want all my customers to be faithful. Et on lui dit, tue un chien ou bien un poulet, fais quelque chose. They tell him, kill a dog or a chicken or do something. Toi, tu es couché chez toi, tu ne veux même pas. Si on te dit sorcellerie, tu es déjà en colère même. You are lying down at home, you don't want this. If it say witchcraft, you are angry. Mais parce que tu es entré dans cette boutique-là. And because you entered that store, l'envoûtement que l'autre a préparé pour assujettir ses clients tombe sur toi. The bewitchment that the other prepared in order to submit his customers fell on you. C'est ainsi que beaucoup se retrouvent envoûtés. Ils ne savent pas comment et où. That's how many find themselves bewitched. They don't know how and where. Ils savent qu'ils n'ont jamais mis pied chez un marabout. They know that they have never set foot to at a witch doctor. Mais ils ont tous les problèmes, les marées de nuit, les femmes de nuit, les nourritures en songe, les démons qui les poursuivent, les chiens qui veulent les mordre. But they have all the troubles, the spirit husband, spirit wife, the demons that pursue them, dogs that want to bite them. Ils ont des maladies qu'ils ne savent même pas. They have diseases. They don't know where it originates. Et quand on commence à prier pour les délivrances, and when we start praying for deliverances, ils manifestent les démons. They manifest demons. Ils ne savent pas où il a ramassé ça. They don't know where they went to pick it. Il y en a qui savent. Some know. Là où ils sont partis. Where they went. Ce qu'ils ont ramené. What they brought back. Mais les cas que nous gérons maintenant. But the cases that we handle now, c'est des gens envoûtés. They are people who are bewitched par ruse, by cunning, par astuce, by trick, par tromperie, by deceit. On va te protéger. We protect you. Un bon païen, tu entends quelqu'un te dire je vais te protéger, mais tu es heureux. A good pagan, when you hear somebody saying I will protect you, you are happy. Mais c'est pour voler tes bénédictions. But it is to steal your blessings. Tu descends en Égypte. You go down to Egypt. L'Assyrien t'a vu. The Assyrian saw you. Pam. Pam. Il t'a sujetti. He submits you. Le Seigneur ne laisse pas ça comme ça. The Lord cannot leave this like la that. Lis la suite. Read that which follows. Et maintenant. Et maintenant. And now. Qu'ai-je à faire? Qu'ai-je à faire? What shall I do? Dit l'Éternel, comme mon peuple a été gratuitement enlevé, Dieu dit, je ne peux pas laisser ça. God says, I cannot leave this. Que mes enfants sont assujettis gratuitement. That my children are submitted freely. Il décide donc de faire. Dit. He therefore decides to read. Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour. Mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. My people shall know my name. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici.
Oui, continue, on saura qui t'es. Yes, continue. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Les pieds de qui? The feet of whom? Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Son nom c'est? His name is? Jésus-Christ. Jesus. Jésus est en colère. Jesus is angry. Que ses enfants sont assujettis gratuitement. That his children are submitted freely. Il s'est dit, même s'ils ont péché. He said to himself, even though they have sinned. Et que le père les châtie. And that the father is punishing them. Ça ne regarde pas le diable. Ce n'est pas quelque chose que le diable doit venir regarder. The devil should not, he's not concerned about that. Car le père a des problèmes avec ses enfants. When the father has some troubles with his children. Qu'est-ce que Satan vient chercher dedans? What is Satan coming to seek in this? Dis rien. Say nothing. C'est pour cette raison qu'on doit le chasser. That's why you must cast him out. Mes enfants. My children. Assujettis gratuitement. Freely submitted. Et les gens se moquent du nom de Dieu. And people are mocking the name of God. Look at his children. Et le Seigneur descend. And the Lord comes down. Pour te délivrer. To deliver. Les jours qui restent. The remaining days. Quand on donne le sujet, when we give a topic, priez pour que les coupes soient remplies. Les coupes soient remplies. Pray so that the cups be filled. Même à la maison. Even at home. Et maintenant que les gens ont beaucoup de... Il y a les tentes ici, il ne faut pas aimer le sommeil. Hein. Now that people have many, some canopies here. Parce que la première année, il n'y avait pas de hangar, pas de tente. Do not love sleep. Because in the barrack. first year there was no barrack, there was no canopy. Mais là, il y a des baraques, on dort bien. Il faut prier la nuit. Now there are barracks and you sleep well. Pray in the night. Quand je sortais, je les voyais installés partout. When I got out, I saw them settled everywhere. Ce que doit devenir le site ces derniers jours. These last days. This is what the site must become. Aucun esprit ne reste caché. That no spirit remain hidden. Alleluia. Praise the Lord. Vous voyez ce que Dieu nous montre? You see that which God is showing us. Il y a des contrats. There are some contracts. Le diable a introduit astucieusement les contrats. The devil introduced contracts by trick. Tu ramasses 1000 francs, tu dis c'est la chance. You pick 1000 francs, you say this is luck. Et le diable enregistre que tu as pris la dot. And the devil register it that you have taken the bride price. Tu ramasses une bague. You pick a ring. Le diable enregistre que tu as pris la dot. The devil recorded that you have taken the bride price, that you have signed the covenant. Si tu as ramassé une chaîne, une bague, tu as porté, cherche quelqu'un, vous brisez le lien. If you picked a chain or a ring somewhere and you put it on you, seek somebody to break the tie. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. On remet les guérisons pour demain. And we will postpone the healings for tomorrow. Si je me plonge dans le sang de Christ. Say, I dip myself in the blood of Jesus. Aucun démon ne me suive. Say, let no demon follow me. Aucun démon ne part avec quelque chose qui m'appartient. Let no demon go back with something that belongs to me. Aucun esprit. Let no spirit. Ne m'attend quelque part. Waits for me somewhere. Pas chez moi à la maison. Not
Pas in mon bureau. In my home, in my pas office. Mon lieu de service. Not in my working place. Pas au marché où je vends. Not in a market where I sell. Pas chez mes amis intimes. Not at the intimate friends. Pas dans ma voiture. Not in my car. Mais chaque esprit va en son lieu. Let each spirit goes in its place. Son lieu de méchanceté. Its place of wickedness. Pas dans ma vie. Not in my life. Pas sur mon chemin. Not on my way. Jusqu'au retour de Christ. Up to the return of Christ. Dis Seigneur. Say Lord. Ouvre notre intelligence. Open our mind. Pour les derniers jours de bataille. For the last days of battle. Ouvre l'intelligence de chaque frère. Open the mind of each brother. Aucun esprit ne résiste. Let no spirit resist. Partout où nous sommes. Wherever we are. Ici à Tekwa ou bien en ligne. Here in Tekwa or online. Que le jugement soit un jugement puissant. Let the judgment be a powerful judgment. Contre les œuvres du malin. Against the works of the wicked one. Que la destruction soit totale. Let destruction be complete. Que les chants de louange éclatent. Let songs of praise be sung. Que chaque guérison soit cachée sous le sang de Christ. Let every healing be hidden under the blood of Jesus. Que la foi de chacun soit enflammée. Let the faith of each one be set on fire. Pour la manifestation des autres miracles. For the manifestation of the other miracles. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Amen. Amen.